on dit on ne serre plus les mains. Bon. Mesdames et messieurs, le président Soro. Bonjour. Bonjour. On serre plus les mains à Paul. Oui. C'est bien ça. On peut se parler. Bon. Mesdames et messieurs, avant le discours du président Soro, veuillez accueillir s'il vous plaît Madame Patricia Ball, présidente fondatrice de PBCom International. Merci et bonjour à tous. C'est parce qu'il s'agit d'une véritable histoire d'amitié entre nous que j'ai décidé de mobiliser l'ensemble du cabinet PBCom International au profit de la cause légitime de M. Guillaume Soro. Comme vous le savez, j'ai travaillé pendant 11 années auprès d'Alassane Ouattara. Il a choisi de m'écarter lorsqu'il a gagné l'élection présidentielle de 2010. Certainement parce que vous le savez, lorsque l'on accède à la magistrature suprême, on préfère ne plus avoir face à soi le reflet du miroir des années où l'on n'était plus rien. Et pourtant, que de promesses m'avait-il fait? Depuis 10 ans, je me suis tue sur toutes ces années partagées avec lui, et je continuerai de le faire, parce que c'est ainsi que je fonctionne, et je ne dérogerai pas à cette règle que je me suis fixée depuis bien longtemps. Le président Guillaume Soro, pour sa part, a contribué bien plus largement encore que moi à aider à son accession au pouvoir. Hélas, vous connaissez la suite. Il semblerait donc qu'il ne serait pas dans les habitudes d'Alassane Ouattara de tenir ses promesses. Je crois bien que nous en avons aujourd'hui la preuve éclatante. En effet, après avoir annoncé qu'il ne ferait pas un troisième mandat, il a purement et simplement
renier sa parole d'honneur. Finalement, le président Soro et moi-même avons été trahis par le même homme, et sans doute cette injustice nous a rapprochés et elle a scellé, pour ma part, une amitié indéfectible. Pour finir, je tiens à remercier ma collaboratrice Patricia Campagne, que vous connaissez, et le directeur de PBCOM International, Sacha Ball, pour avoir aidé à l'organisation de cette conférence de presse. Merci de votre attention. Monsieur, veuillez accueillir le président Soro. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, vous vous souviendrez, c'est dans cette même salle, le 28 janvier dernier, je me tenais devant vous pour vous déclarer ma candidature à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Je vous le réaffirme aujourd'hui encore. Ma candidature est ferme, irréductible et irrévocable. Je ne reconnais à nul autre que le peuple souverain de Côte d'Ivoire le droit de statuer sur mon avenir et mon devenir. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en application de la loi de la morale républicaine et conformément à mes convictions selon lesquelles la dictature ne s'épanouit jamais aussi bien que lorsque, tétanisée par nos peurs, nos angoisses, nous la laissons prendre possession de nos vies et qu'elle ne recule que si courageusement nous nous dressons contre elle. Mesdames et messieurs les journalistes, je veux gouverner ce pays en bâtissant la solidarité intergénérationnelle, la nation ivoirienne émancipée de ses souffrances passées par le pardon et la réconciliation. Je veux gouverner en consolidant la démocratie et l'état de droit par la séparation et l'équilibre des pouvoirs de l'État dans un pluralisme renforcé. Je veux et je vais gouverner mon pays en réalisant un développement écologique et endocentré pour le bien-être de tous, mais aussi en propulsant la Côte d'Ivoire aux premières loges de la recherche scientifique, de l'éducation, de la santé et de la proactivité entrepreneuriale. C'est une Côte d'Ivoire réunie et solidaire, portée par le génie de ses peuples et générations que j'entrevois comme l'aigle idéal pour les héritiers de demain. Mesdames et messieurs, mais faut-il le rappeler, je vous alertais déjà aussi ici, dans cette salle, sur les risques de déflagration encourus si la communauté internationale ne se mobilisait pas pour obtenir des élections démocratique et transparent en Côte d'Ivoire. Je vous avais aussi mis en garde contre de procéder à une entourloupe pour assurer le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis à nouveau devant vous avec une extrême gravité. Mais avant d'aller plus loin dans mon propos, je voudrais dire toute ma reconnaissance à M. Emmanuel Macron,
président de la République française, pour avoir tenu un langage de vérité au président Ouattara au nom de l'attachement de la France à la démocratie et aux droits de l'homme. Je dis dans la foulée toutes mes admirations à M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, que je visiterai sous peu, à M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, ancien président de la CEDEAO, au président Macky Sall du Sénégal, Oumarou Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, pour leur posture connue, sans équivoque, contre le troisième mandat. Je n'oublie pas également de saluer le secrétaire d'État, M. Mike Pompeo, pour le soutien des États-Unis au respect de l'état de droit. Je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire est au bord du gouffre. L'entêtement de M. Ouattara à faire un troisième mandat en violation de la constitution ivoirienne se fait dans une barbarie indigne d'une république moderne et civilisée. Le bilan est déjà suffisamment lourd et alarmant pour ne pas nous interpeller. Plus d'une trentaine de morts depuis sa déclaration de candidature. Plus de 200 arrestations sur le territoire national, dont 60 de mes compagnons de Génération et Peuple solidaire, parmi lesquels des députés arrêtés sans la levée de leur immunité et deux de mes jeunes frères de lait pris en otage. De nombreuses femmes aux mains nues, battues et incarcérées. La limitation des droits constitutionnels que sont la liberté de manifester et la liberté d'expression par la prise d'une série de décrets interdisant à l'opposition d'exprimer son désaccord face au projet du troisième mandat. L'incarcération injuste des députés et de tous les autres prisonniers politiques fait l'objet d'une réprobation et d'une condamnation unanime des organisations internationales et des organismes de défense des droits de l'homme. Je veux citer entre l'Union interparlementaire, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amnesty International, le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Depuis le 23 décembre 2019, je suis, comme vous le savez, contraint de vivre loin de mon pays, victime de montages grossiers habillés par des artifices juridiques. On m'a fait un procès expéditif, fallacieux, fictif, pour des faits inexacts, alliant calomnie et diffamation, et au prétexte d'une infraction de recel d'un bien qui aurait été prétendument commise en 2007. Non seulement ces faits sont imaginaires, mais cette infraction, si jamais elle avait existé, aurait été légalement prescrite. L'article 7, en effet, du Code de procédure pénale ivoirien, prévoit en effet que, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de 3 années révolues. À considérer par extraordinaire que ce délit soit qualifié de corruption, là encore, le délai de prescription éteint l'action publique puisqu'il est de 10 ans. De sorte qu'en 2019, soit 13 ans après les faits, devrait être prescrit. Or, en réalité, tout ça n'existe pas. Il n'y a aucune charge, aucun début de commencement de preuve. Pour reprendre la formule de l'un de mes avocats, ce dossier, c'est un peu comme le couteau de Lichtenberg, un couteau sans lame, dont on a oublié le manche. C'est du vide, c'est du vent. Le procès qui s'est tenu au tribunal d'Abidjan le 28 avril dernier est une honte pour tout état de droit qui se respecte. On m'a jugé sans avocat, sans m'avoir convoqué, sans aucun accès au dossier, et en un mot, sans justice, une vraie parodie. Vous connaissez la phrase de Georges Clemenceau, et je cite, «
La justice militaire, ce que la musique militaire est à la musique. Je crois que nous avons trouvé pire encore que la justice militaire. C'est la justice ivoirienne qui n'a de justice que de nom. C'est d'ailleurs contre cette injustice et contre l'arbitraire que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu deux ordonnances. Un mot d'abord sur la procédure choisie. La Cour africaine a été saisie en matière d'urgence. Deux ordonnances de mesure d'urgence ont été rendues, ce qui n'est possible qu'en présence de violations graves, évidentes et manifestes des droits fondamentaux. Or, dans notre cas, comme l'ont retenu les juges d'Arusha, les droits ont été à de nombreuses reprises bafoués. Alors, bien sûr, du côté du camp Ouattara, on nous répond que la Côte d'Ivoire a quitté le protocole d'adhésion de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, figurez-vous, le lendemain de son ordonnance du 22 avril, c'est-à-dire le 23, soulignons-le. Mais vous le savez, car vous êtes sensible, j'en suis convaincu, au droit, que le délai de prévenance du retrait d'un protocole est d'une année. Et vous le savez aussi, le retrait ne concerne jamais en droit international les affaires pendantes devant une juridiction internationale. C'est le cas de la Cour africaine dont la jurisprudence est constante et très claire à ce sujet. Elle l'a d'ailleurs dit concernant la Côte d'Ivoire dans sa décision du 15 juillet 2020 sur la CEI, la Commission électorale indépendante, et réitérée dans celle du 15 septembre 2020 me concernant au paragraphe 19, que le retrait de la déclaration par l'État de Côte d'Ivoire n'a pas d'effet rétroactif, n'a aucune incidence sur les affaires en instance devant elle et ne prend effet seulement que le 30 avril 2021. Cette décision s'impose donc, car la Côte d'Ivoire l'a souhaité, en ratifiant la Charte africaine des droits de l'homme et ses différents protocoles. La Côte d'Ivoire l'a tellement souhaité qu'elle l'a inscrite en préambule dans la Constitution du 8 novembre 2016 qui s'ouvre par une référence claire à la Charte africaine. Elle reconnaît donc la primauté des décisions de cette juridiction supranationale sur les juridictions nationales. Dans cette perspective, ma réintégration sur la liste électorale est obligatoire. Et ce n'est pas juste une simple proclamation de ma part, c'est le droit positif ivoirien qui le commande. En effet, il existe une jurisprudence, Yao Paul Ndré, qui, souvenez-vous, en 2010, après avoir déclaré M. Laurent Gbagbo vainqueur de l'élection, a rendu en second lieu une décision du Conseil constitutionnel en 2011, dont je vous remettrai copie, en se fondant uniquement sur un simple communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour déclarer M. Alassane Ouattara vainqueur de l'élection. En d'autres termes, en ce qui me concerne, le Conseil constitutionnel actuel doit, en s'inclinant devant la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, se fondant sur une décision de justice, ici c'est une décision de justice, plus forte et plus contraignante pour reconnaître ma citoyenneté, non seulement en m'inscrivant sur la liste électorale, mais aussi en me rendant éligible à la prochaine élection présidentielle. Mesdames et messieurs, en déclarant M. Alassane Ouattara éligible, alors que l'article 55 de la Constitution est très clair, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Les sages du Conseil constitutionnel ont manqué d'imagination ou sont de très mauvais juristes. Ils ont servilement obéi au pouvoir exécutif
sans même habiller par pudeur leur forfaiture des habits de droit. Ils ont porté le déshonneur sur leur institution, censée être la gardienne du droit et de la Constitution. Ils ont donné leur aval au coup d'État constitutionnel voulu par M. Alassane Ouattara. Alors, c'est pour cette raison que dans le contenu de l'ordonnance, la Cour a reconnu l'existence de violations graves des droits de la défense, du droit au procès équitable, du droit à la sûreté, de la prohibition de la détention arbitraire, de la liberté d'expression d'opinion, du droit de tout citoyen. La Cour a ordonné le statu quo ante de toutes les poursuites à mon encontre, la suspension du mandat d'arrêt émis, la fin de la procédure pénale engagée et la remise en liberté immédiate de mes 19 proches injustement incarcérés. C'est enfin pour cette raison que le 15 septembre 2020, cette même Cour, la Cour africaine, a ordonné en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté que la Côte d'Ivoire prenne toutes mesures nécessaires en vue de lever immédiatement les obstacles empêchant M. Soro de jouir de ses droits d'élire et d'être élu, notamment lors de l'élection présidentielle. Alors, que faire face à M. Ouattara qui, malgré toutes ses décisions, a abattu tous les garde-fous institutionnels de mon pays? Maintenir cette élection, mesdames et messieurs, du 31 octobre 2020 n'a aucun sens, c'est une évidence. De même, participer à cette élection serait cautionner le coup d'état civil de M. Ouattara. C'est pourquoi j'en appelle à une unité d'action de l'opposition pour stopper M. Ouattara dans sa folle aventure par tous les moyens légaux et légitimes. Je demande aux candidats, retenus ou non, spécifiquement, au président Bédi, au président Babo, au premier ministre Affin Guessant, au ministre Amontano, au ministre Mabri Touakos, de prendre ensemble nos responsabilités et de faire bloc. Il s'agira tous ensemble de saisir la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, en vue d'obtenir des élections démocratiques transparentes et inclusives, comme ce fut le cas en 2010, et ceci sans préjudice. Ensemble, nous devons organiser la mobilisation de tout le peuple ivoirien depuis la campagne, les hameaux, les villages et les villes, pour faire barrage au troisième mandat inconstitutionnel et interdit de M. Ouattara. Pour ma part, je demande la libération immédiate de mes proches et de tous les prisonniers politiques, la dissolution de la commission électorale indépendante actuelle et la mise en place d'une nouvelle conformément à la décision de la Cour africaine du 15 juillet 2020, la mise en place d'un conseil constitutionnel non inféodé au pouvoir, un audit international de la liste électorale, enfin, la présence d'observateurs internationaux pour contrôler la régularité du vote. Ne nous voilons pas la face. C'est une mascarade qui se prépare pour légitimer le troisième sacre du président Ouattara et sacrifier le peuple ivoirien sur l'autel des ambitions d'un homme. Nous ne saurons être les pantins de cette comédie burlesque. Le président Ouattara pourra concourir seul, sans le peuple ivoirien. Mais je peux vous l'assurer, le peuple ivoirien n'acceptera pas cette comédie. Et je suis convaincu que dans le combat que nous allons engager avec le peuple de Côte d'Ivoire, nous reviendrons de cette épreuve
rassemblés. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, l'heure est grave pour mon pays. Ouattara veut imposer une autre crise électorale à la Côte d'Ivoire, après celle, hélas, de 2010. Il est déterminé, mais nous aussi. Mais tôt ou tard, notre victoire viendra et je vous en fais la promesse. Cette victoire sera celle des Ivoiriens, de la démocratie et de l'état de droit. Monsieur Ouattara sera comptable de ses manigances et sera perçu comme celui qui a assassiné la démocratie. Et si aujourd'hui, il dit ne pas craindre le peuple de Côte d'Ivoire, je vous promets que demain, il devra se soumettre à sa volonté. Je vous remercie. Messieurs les journalistes, vous pouvez procéder à quelques questions-réponses. Je vais laisser la parole au président Sobo.